Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Bon, alors bouge pas. Je prends. Attends. Donc là, je prends l'oracle donc de l'amour. Et on va regarder ce qu'on me dit pour toi aujourd'hui. Allez, on y va. J'ai eu cette carte. Alors attends, juste une seconde parce que j'ai des jetons. Alors j'ai eu cette carte, voilà, hein, le sentiment de honte. Hein, tu vois. Bon, alors moi, j'ai dessiné, j'ai voulu une femme. Voilà, qui a le col roulé jusqu'à là. Et qui a des choses, pas tip top. Bon, alors, on est côté affectif. Hein, on est dans de l'affection, de l'amour. Du coup, on me dit que ça soit un homme ou une femme, avec toi, ça va pas trop en ce moment. Voilà. Donc, à l'heure où je te parle, tu es encore en lien ou encore dans une relation amoureuse, soit avec un homme, soit avec une femme, mais qui pour moi a... Comment on va me faire dire ça? Non, je dirais pas qu'il y en a gros sur la patate ou qu'il y en a gros sur le cœur vis-à-vis de toi. Non, c'est pas ça qu'on veut me faire dire. C'est plus des choses à se reprocher. Voilà. Lui ou elle, dans la relation, que tu aies une relation amoureuse avec un homme ou une femme, a des choses à se reprocher vis-à-vis de toi. Si. Alors, qu'est-ce que cet homme ou cette femme, qu'est-ce que ça pourrait être? La relation, lui ou elle sait très très bien que ça te convient pas. Voilà, que tu en veux davantage de lui ou d'elle, déjà, un. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de toi, a dû fauter. Alors, au niveau de la faute, moi, on me dit que il a fauté dans tous les domaines avec toi. Ouais, malheureusement. Donc, au niveau, par exemple, de vos échanges, que ce soit des échanges téléphoniques, il sait très, très bien que il est en tort. En tort vis-à-vis de toi. Ok? Au niveau, par exemple, des écrits, parce que dans des relations amoureuses, il y en a qui font que s'appeler par téléphone, d'autres, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, mais ça va pas du tout, et je pense que toi, tu as compris que le lien et la relation avec lui ou elle se dégradaient. Et lui aussi ou elle le sait très très bien et autant que toi. Parce que, on le voit, hein. Mais il y a encore plus moche que ça, c'est-à-dire que l'homme ou la femme à qui tu avais ouvert la porte, que ce soit par la porte virtuelle ou la vraie porte, hein, peu importe, parce que ça dépend comment tu as connu cet homme ou cette femme, parce qu'on me peut me parler de la femme, par exemple, toi, qui avais rencontré ce monsieur sur un des sites nombreux sur Internet. Voilà, donc c'est la porte. Toi, il y en a une, elle est passée par la porte virtuelle pour rencontrer l'homme. J'en vois une autre. Oh là là. J'en vois une autre qui avait rencontré ce monsieur ou cette dame, mais par la vraie porte, c'est-à-dire la vraie porte en dehors des réseaux sociaux, mais que ça soit cette jeune femme
un qui s'était dit, bon, on verra bien où ça me mène avec lui ou avec elle par rapport à la rencontre sur le web, ou l'autre qui avait préféré privilégier pas les réseaux sociaux et qui avait rencontré un homme ou une femme en dehors, ben, c'est la même chose. Donc, bon, voilà. Ok, et vous formiez en tout cas jusqu'à un moment donné, hein, parce que je vais pas commencer à demander à mes guides, tu vois, même si je peux, hein, ouais, même sur du public, demander, hein, demander par exemple à mes guides combien ça fait de temps que tu connais soit ce monsieur ou cette dame, que ça soit celle qui l'ait rencontré, hein, par le biais internet, ou l'autre qui l'a rencontré en dehors. Hein. Bon, mais bon. Et bon, le duo de choc, tandem, où vous appeliez très fréquemment, bon, a duré ce que ça a duré, le duo de choc, hein, dans des relations, premièrement, hétéro. Mais dans des relations gays, c'est pas pareil. On m'en parle également, donc. Ah, si, aussi. Hein. Donc, bon. Et toi, la femme, par exemple, tu es très déçue de cet homme. Quand même. Quand même. Non, tu ne pensais pas que la relation allait se dégrader. Et d'ailleurs, toi, tu n'as pas à avoir honte. Non, pas du tout. Non, aucune honte. Par contre, elle ou lui, ah si. Tu n'as pas à te cacher. Par contre, elle ou lui, si. Tu n'as pas non plus à te sentir coupable vis-à-vis de elle ou de lui. Par contre, l'autre, oui. Tu n'as pas non plus à te sentir responsable du comportement de l'autre. Par contre, oui. Et ce qui me fait sourire un peu jaune quand même, c'est que ce genre d'homme ou de femme dont je te parle pourrait te dire des tas de choses de toi. Voilà. Bah, te mettre tous les torts à toi dessus. Remarquez, comme me disent mes ancêtres, c'est plus facile de te faire tous les reproches à toi que d'assumer certaines vérités. Ah ouais. Pour éviter de crever le gros bouton. Voilà, après, bah, les gros abcès, tu vois. Voilà. D'ailleurs, quand ça ne va pas dans une relation hétéro, quand ça ne va pas entre deux hétéros au point de vue amoureux, hein, voilà. En général, on met tout sur le dos de l'autre, à la plupart du temps. Quoique mes ancêtres disent aussi que pour les relations là, gay, c'est pas mieux, hein, c'est pas mieux. Eh ouais. Voilà. Donc, bon, hein, bon. On continue. Donc là, j'ai le cadeau. Bon, alors, c'est pas un cadeau en réalité. Non. Non, l'homme que tu as rencontré n'est pas un cadeau. Non. Alors là, on me parle pour les demoiselles, hein. Qui, à partir du premier jour que tu as connu cet homme, que ça soit celle par le biais internet ou en dehors, parce qu'il y en a, elle déteste, tu as tout fait pour que ça marche avec lui, avec l'homme. Mais lui a tout fait pour que ça marche pendant une période. Voilà. Hein? Et puis après, commencer, hein, à se désintéresser de toi. Voilà. Alors, bien entendu, ben, de moins en moins d'appels téléphoniques, ben, de moins en moins de dialogues à distance. Voilà. Alors, bon, j'ose même pas imaginer les rendez-vous en amoureux. Oh, pauvre. Ben, ça me fait de la peine pour vous, mes demoiselles. Voilà. Mais attendez, il y a les inversités. Hein. S'il y a des inversités aussi. Hein. On me parle d'un homme aussi, le pauvre. Ah ben, ça arrive pas qu'aux femmes. Hein. Ah ben, ça. On me parle aussi d'un monsieur qui, lui aussi, a rencontré une demoiselle. Alors, un sur Internet et l'autre dans la vraie vie.
Mais ben, il lui est arrivé la même chose qu'à toi, la femme. Mais c'est pas le même homme. Voilà, hein, vous comprenez. Et que c'est dommage que vous n'êtes pas rencontrés. C'est dommage parce que toi, la nana, par exemple, qui a connu le gars sur Internet, ou encore l'autre qui l'avait connu en dehors, si vous aviez connu le monsieur, eh ben, qui avait rencontré la nana sur Internet, ou un autre gars qui en a rencontré une autre en dehors, ah ben, aujourd'hui, qu'est-ce que vous seriez heureux en amour ensemble? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà. Ah ben, ça, malheureusement. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour les femmes déçues par un homme, ou les hommes déçus par une femme, parce qu'il y a les deux, en France pour commencer, mais mondialement aussi, on me le dit. Alors, il y en a, hein, il y en a vraiment, il y a la rupture. Voilà, la rupture et, et chacun, à l'heure où je te parle, fait sa vie. C'est-à-dire que la nana déçue, eh ben, elle fait sa vie. Le gars qui a tous les torts, il fait sa vie. Bon, voilà. T'as compris. Bon, et au niveau des inversions, pour le mec qui a connu une nana sur Internet et un autre en dehors, ben, il y en a aussi, il y a la rupture. Chacun fait sa life. Voilà. Mais le problème, oui, mais le problème, c'est que ben, les gens comme ça, on me dit, restent, font une petite pause, hein, voilà, après la rupture, voilà, mais après ils recommencent. Ben, ils recommencent. Et ben, ils recommencent, c'est-à-dire qu'ils restent une petite période seuls, sans personne, célibataires, et après ils se disent, bon, ah si. Ben, ceux qui vous font du mal, que je vous ai expliqué, bon. Et puis, ils laissent passer une petite période où ils sont seuls, sans personne. Voilà. Laissez-moi seul. Laissez-moi dans le noir. N'en allume pas. J'ai envie de parler à personne. Je veux voir personne. Je veux discuter avec personne. Bon, voilà. La période sombre, noire, après la rupture, voilà. Alors que ces hommes dont je parle là ont tous les torts. Mais on me parle de l'autre côté hein, de certains hommes qui l'ont vécu avec une femme et que c'était les femmes qui avaient tous les torts. J'ai les deux là, bon, voilà. Mais pour ceux qui ont entièrement les torts dans les ruptures, que ce soit ceux qui se sont connus sur Internet ou d'autres dans la réelle vie, ils vont attendre, bon, ils vont être un peu cafardeux, brouillards, pas bien, voilà, tout ça. Et puis après, ça va passer, ils vont aller mieux et ils recommencent. Ben, ces hommes et ces femmes, c'est toujours les mêmes histoires. Voilà, c'est des schémas qui se répètent de nana en nana ou d'homme en homme. Parce que on me dit clairement que pour eux, ils n'ont jamais rien à se reprocher. Voilà. C'est-à-dire que c'est des mecs parfaits, parfaits, en tout, hein, voilà, c'est des mecs parfaits, ou des femmes parfaites, voilà. Et ben, quand ils vont mieux, ils rencontrent une nouvelle femme ou un nouveau gars, et ça recommence la même histoire, par exemple, avec sa nouvelle nana ou son nouveau gars. C'est répétitif. Voilà, mais pour ces hommes et femmes, ça ne vient pas d'eux. Non, jamais. Et pourtant, si. Voilà. Parce que ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand on est en couple avec quelqu'un, même si on ne vit pas avec la personne, eh ben, il faut en prendre soin de l'autre. Hein. Eh ouais. Il faut en prendre soin. On a besoin de communication à distance, d'entendre régulièrement la voix de l'homme ou de la femme que l'on aime, comme les SMS très régulièrement, comme
quand on est très amoureux l'un de l'autre, on a besoin de voir le plus souvent possible un rendez-vous amoureux l'homme ou la femme que l'on chérit plus que tout. Et le problème avec ces hommes dont je vous parle ou ces femmes-là, eh ben non. Et à chaque fois, ils ont des ruptures, ah ben, à tous les coups. Eh ben, ils ont rien compris, ces gens-là, en fait. Voilà. Eh bien, c'est des hommes et des femmes qui ont une drôle de manière de chérir le grand amour de leur vie à chaque fois. Voilà. Voilà. Et ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas prendre soin, eh ben, de leur grand amour. C'est tout. Ah ben, c'est tout. Voilà. Voilà. Et quand ça finit, ils vous mettent tous les torts sur vous. En tout cas, après, ça dépend, hein, parce qu'il y en a qui n'oseront jamais de la vie vous dire les choses en face. Non, non. Au niveau des ruptures, par exemple, que vous avez pu avoir, soit avec un homme, soit avec une femme, ils ne vous diront pas au téléphone ce que je vous dis. Jamais. Ni en face à face, ni par SMS. Jamais de la vie. Parce qu'ils n'assument rien et ils sont lâches. Très lâches. Et que concernant l'usure de la relation, tout est de leur faute et jamais de la vôtre. Non. Ben, écoutez. Donc, voilà. Bon, alors là, j'ai des signes qui sortent. J'ai du cancer, j'ai du poisson, j'ai du capricorne. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, parce que dans ce que mes ancêtres vous disent là ce soir, hein, ah ben, c'est pas que les cancers, pour les cancers. Mais non, ça serait trop simple si c'était que pour des cancers ou des capricornes ou des poissons. Mais non! Tous les signes sont concernés par ça. Oh, ma parole. Bon, bref. Voilà. Donc, mais a priori, ouais, il y a les ruptures. Ouais, vraiment, il y a les ruptures. Mais vous pensez, ben, c'est-à-dire que toi, la nana, tu penses encore à ton autre de l'époque. Lui aussi pense encore à toi. Alors, il y en a, le contact est rompu puisque blocage sur les 06, blocage sur les réseaux aussi pour d'autres. Mais il y a encore des pensées mutuelles. Ouais, mutuelles. De la rancœur, ouais, de l'aigreur d'estomac, ouais. Donc, voilà. Concernant ceux qui sont pas réellement en rupture, mais on ne sait plus trop où on en est avec son autre. Hein. Bon, voilà, il y en a aussi, hein, qui sont pas réellement en rupture, mais on ne sait plus trop ce qu'on est pour l'autre, ou quoi se raconter, que ça soit sur du vocal, ou encore sur de l'écrit avec ton autre. Hein. Et que ton autre soit une femme, ou que ton autre soit un homme. Hein. Bon, voilà. Alors, en ce qui concerne les rendez-vous en amoureux, bon, ben, pour ceux que vraiment c'est fini, bon, ben, vous voyez plus, hein. C'est de l'ordre de la logique. Pour ceux qui correspondent encore, mais qu'on ne sait plus ce qu'on représente aux yeux de l'autre, ah, ben, c'est pareil, hein, vous ne vous voyez plus. Voilà, mais en même temps, ne pas s'étonner, hein, on me le dit clairement, ne faut pas s'étonner. Voilà, alors là, on me parle d'automne et d'hiver, donc là, on y est en plein, hein, voilà. Alors, au niveau de ces relations hétéros dans le passé, en tout cas, pour certains hommes et femmes, vous avez pu vous rencontrer à cette époque-là, quoi, dans le passé. Ouais, voilà. Mais pas tous, hein. D'autres, ah ben d'autres, c'était plus été-printemps. Hein, voilà. Mais bon, on ne sait pas trop où on en est. Hein, voilà, dans tout ça. Donc là, on parle également, oh là là, d'énergie tierce. Ce qui veut dire, je te l'avais dit.
Je te l'avais dit au début qu'on me disait, et, bon, et ben ça confirme, hein, énergie tierce, ce qui veut dire c'est que ton autre, en plus, t'a trompé. T'as trompé hein, au minimum avec ce qu'on appelle hein, au minimum. Hein. Soit avec un autre homme, soit avec une autre femme. Hein. Donc voilà, en plus, donc on en rajoute ça. Du coup, bon alors, il y en a, ils les ont envoyés bouler, hein, voilà. Voilà, donc rupture marquée, très très marquée même. Pire que des cernes, la rupture elle est marquée. Tandis que pour d'autres, on ne sait plus trop où on va. Pour ceux qui en ont marre de leur autre, là, même s'il y a encore des échanges, vous avez décidé. Que vous soyez des femmes ou des hommes, de vous en balancer de votre autre. Voilà. De vous en balancer et puis hein, de reprendre votre liberté, quoique vous êtes libre, hein, puisque, ah, puisque bon, bah, dans ces relations, il n'y a jamais eu de mariage, non, ni de Pacs, non. Et ni de vie commune. Donc, vous faites un peu ce que vous voulez, par exemple, les demoiselles en face. Hein? Voilà. Hein? Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez de votre vie, puisque vous n'avez jamais vécu avec votre autre, ni pacsé avec votre autre, ni marié avec votre autre, et ni de vie commune avec votre autre. Donc, vous avez décidé de faire ce que bon vous semble. Hein? Voilà. Remarquez, hein, faut dire la vérité, ils ne font rien pour se rattraper, vos autres. Hein. Ah non, ils ne font rien pour vous courir après, essayer de se remettre réellement avec vous, parce que en réalité, c'est une rupture, même s'il y a de la communication, faut bien le savoir. Ils ne font rien pour se rattraper auprès de vous, les demoiselles. Donc, vous avez décidé de tout stopper avec eux. Voilà. Et vous avez également décidé que si un gentleman passe sur les réseaux sociaux ou un gentleman dans la vraie vie, vous n'allez pas vous gêner. Voilà. Ah ben, vous avez raison, hein. Parce que, en vue de comment ils vous traitent, à vous, ces femmes formidables, ah, ils ne vous méritent absolument pas. Hein, voilà. Alors, moi, il est clair que pour toi, la demoiselle qui avait rencontré ce monsieur sur le web et l'autre qui n'est pas la même dans la vraie vie, on me dit clairement que il y a un homme qui va arriver dans ta vie. Ouais, un nouveau gars. Un homme que pour le moment, tu ne connais pas. Non. Tu ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Non. Ce n'est pas quelqu'un de ton enfance. Non. Ce n'est pas non plus quelqu'un que tu pourrais avoir dans tes réseaux sociaux. Non. Ce n'est pas non plus, par exemple, un gars avec qui tu travailles, pour celle qui travaille. Non. Mais il va arriver dans ta vie. Et on me dit que tu vas le rencontrer sur un des sites internet, si. Et il va t'envoyer une invitation en espérant que tu vas accepter. Tu vas accepter. Et puis, bon, il va t'envoyer un premier message parce qu'il va voir que toi, tu ne lui envoies pas. Et vous allez commencer à converser timidement, très timidement. Voilà. Bon, ça va mettre du temps. Mais ça va te faire vraiment. Comment te dire? De plus en plus, tu oublieras le gars dont je te parle. De plus en plus, qui ne te mérite absolument pas dans ta vie. Dans sa vie, pardon. Du coup, on parle vraiment qu'avec le nouveau, ça peut être la fin de la galère, pas comme avec l'autre. Voilà, qui te fait oh la galère. Voilà. L'autre, c'est bizarre à dire, hein, l'autre qui t'a fait grave galérer à la galère, c'est bizarre. C'est comme si il n'a pas du tout envie
Comme si, ouais, il ne souhaite pas du tout que tu l'oublies. Comme si il n'a pas du tout envie de te voir avec un autre homme que lui. Non. Non. C'est comme si vraiment, si il venait à apprendre que, comment te dire, tu acceptes un autre rancard, admettons que lui, ça va l'emmerder. Si tu converses avec un autre gars que lui, ça va l'emmerder. Si tu fais ta vie avec un autre gars que lui, ça va l'emmerder. Voilà, tu vois le genre, mais c'est pas pour autant que il te court après avec des roses. Ou des lilas, ce que tu veux. Voilà, tu vois. Voilà. Mais tant pis, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, tu vas pas l'attendre toute ta vie, non? Hein? C'est comme si c'était un gars qui se cherchait de faux obstacles, tu vois, dans sa vie. De faux obstacles, tu vois, des fausses haies. Voilà, des fausses haies, des faux obstacles, de fausses épreuves de vie. Voilà, le pauvre, tu vois, il n'y a que lui qui a souffert dans sa life. Tu vois, toi, la nana, t'as jamais souffert, tu vois, jamais. Ben non, hein, voilà, toi, ben toi, t'as jamais souffert, toi, t'as jamais pleuré, toi, on t'a jamais quitté, voilà, tu as eu. Ah ben ouais, ben c'est vrai, hein. Hein, ben si, toi, tu es heureuse, toi. Toi, t'es en couple, ouais, tu vis avec un mec. Non, tu vis seul. Voilà, hein. Tu vis seul et t'as rencontré ce gars. Ah, en qui t'avais mis beaucoup d'espoir. Voilà. Et il t'a déçu. Voilà. Ah bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, on me dit. Ah là-haut, bon. Mais il se cherche des faux problèmes aussi. Des faux problèmes, des fausses excuses. Ah, il a toujours le mot qu'il faut, lui. Ah là là. Mais il réfléchit toujours avant. Toujours lui. Ah si. Voilà, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter cette fois? Ouais. Ah, il aurait dû. Ben franchement, le gars que tu connais, que ça soit toi que tu l'aies connu sur Internet ou l'autre dans la vraie vie, hein, ils auraient dû faire comédien, ces mecs-là. Comédien. Ah là là, franchement, ils auraient bien réussi hein, dans la comédie, dramatique, comique, tous les rôles, hein, ils sont très très forts, ceux-là. Bon, du coup, voilà. Hein, bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas faire une nouvelle rencontre très top, super bien pour toi, puisque l'autre, hein, ne te fera pas galérer autant que celui que je te parle. Voilà, il saura exactement, hein, ce qu'il veut avec toi et ce qu'il voudra avec toi. C'est une relation sincère en amour, pas te tromper par derrière. Une relation où on s'appelle très souvent, voilà. Une relation sérieuse qui perdure dans le temps. C'est à se demander avec l'autre. Bon. Mais comme il va pas vouloir te perdre, l'autre derrière, là, le, tu sais, tu vois qui je veux dire, là, que je te parle, il va revenir vers toi et essayer de rattraper tous les faux pas qu'il a fait, qu'il t'a fait à toi. Essayer de petit à petit de recommuniquer de plus en plus souvent. Eh bien, pourquoi il ne l'a pas fait avant? On se demande. Enfin, à une époque, il y avait beaucoup, mais petit à petit, de moins en moins. Tu vois, bon, voilà. Mais eh bien, il va essayer de se rattraper, tu vois. C'est-à-dire de plus en plus t'appeler, de plus en plus de messages, voilà. À te proposer, hein. Ah ben de le voir assez fréquemment, tu vois, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Voilà, te proposer aussi une vie sous le même toit, ben pourquoi il ne l'a pas fait avant? Non, ben il va attendre vraiment, tu vois, voilà, hein, la goutte du vase, hein, voilà. Mais il va attendre ça, tu vois, voilà. Mais voilà, donc, ben tu vas te retrouver avec deux gars, deux hommes et un choix à faire, hein. Entre celui que tu connais bien, mais tu le connais bien, mais pas autant que tu pourrais croire. Voilà, par rapport à ce qui t'a fait subir. Voilà. Et un autre qui te fera pas subir le quart que l'autre t'a fait subir, mais comme on dit, hein, c'est le cœur qui parle. Donc, tu vas avoir un choix à faire.
entre celui que tu connais encore et qui te fait grave galérer, ou le nouveau qui va arriver dans ta vie. Donc voilà, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, bye bye.